donc les bien-aimés qui nous viennent de Marseille. On va commencer par le frère Ludovic. Alors, quel message vous avez retenu aujourd'hui que vous pouvez partager? Déjà que faut se confier au Seigneur. Alléluia. C'est lui seul. Amen. Et c'est notre sauveur. Alléluia. Voilà. Et il nous fait du bien, il est toujours présent. Et on ne peut que se confier à lui. Il est notre Amen. Chemin. Amen. Le chemin, la vérité, la vie, comme il le dit. Et il nous remplit de son amour. Et oui. Là, aujourd'hui, on a été encore rempli de son amour. Amen. Et il est toujours fidèle. Amen. Et moi, je le rends grâce et je dis merci pour tout ce qu'il fait. Voilà. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, ma sœur Sophie. Ben, amen. Hein. Ben, on repart à Marseille rempli de lui. Amen. De son amour. Amen. Avec, on est fortifié, mais on est encouragé. Alléluia. Et on ramène tout ça dans le sud avec nous. Surtout quand vous avez reçu l'invitation pour amen. Le Cameroun. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et on y va. Alléluia. Au nom de Yeshua. Alléluia. Amen. Amen. Alors. Amen. C'est une grâce d'être venu. Alors, qu'est-ce que le message d'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez retenu, vous allez à partager par rapport au message de temps de la visitation? Qu'est-ce que vous avez retenu par rapport au message du temps de la visitation? Qu'est-ce que vous avez retenu par rapport au message d'aujourd'hui? C'est qu'il n'y a que deux choses qui peuvent nous éloigner, c'est les mauvaises compagnies et le péché. Donc il faut sanctifier au maximum, ne pas s'éloigner de la présence, redouter de la perdre plus que tout, et aussi de l'encouragement de la part du Seigneur, que même si on tombe, il est toujours là. Et il sera toujours là. Amen. J'ai pas entendu la question. Alors mon frère, nous avons parlé aujourd'hui de quel message? Qu'est-ce que vous avez retenu par rapport au temps de la visitation? Le message. Le Seigneur nous abandonnera jamais, quoi qu'il arrive, il sera toujours là. Faut surtout pas rater le moment en fait. Et il sera toujours là, toujours là, toujours là. Peu importe les difficultés, peu importe les souffrances, il est là, il est au-dessus de tout. Et comme il a dit le frère hier, il a trouvé le moyen, la solution avant le problème arrive. Alléluia. 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 Alors, il y a beaucoup de bien-aimés qui nous regardent, qui nous suivront. Quel message que vous allez à leur donner? Une seule personne qui peut nous parler. Alors, ma sœur. Venez à Yeshua. Amen. Il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Il est le sauveur de l'univers. Alléluia. Merci beaucoup. On vous souhaite un bon retour dans la paix et on se reverra. Amen. Eh bien voilà, bien-aimés, nous avons terminé et nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde. Là, les bien-aimés sont encore là en train voilà, de continuer à louer, à élever le Seigneur. Mais continuez aussi tout un chacun chez soi. Que le Seigneur nous accompagne tous. À la prochaine sur Radio et TV de Vie. Au revoir.